On parle du musée national de Gongo dans ce journal, soit après plus de 5 mois de son incendie par les ans civiques, plus de 25 millions d'œuvres d'art portées en fumée. Où en est-on avec les enquêtes? Y a-t-il espoir de relancer les activités? On va en parler tout à l'heure dans ce journal avec notre correspondant à Gongo, Redox Yongo. Bonjour Redox. Où en est-on avec les enquêtes lancées après l'incendie du musée national de Gongo? Bien sûr, depuis l'incendie du musée national de Gongo, les enquêtes se sont faites ici à Gongo. Depuis cette là, c'était que l'ancien président de l'Assemblée provinciale qui était venu ici pour les enquêtes. Rien que pour lui, après tout cet état-là, il n'y a aucune autre organisation qui s'est déjà donné corps et âme pour passer aux enquêtes dans ce musée. Est-ce que la police ne s'est pas enquérie de la situation? Justement, je vous dirais, M. Claude, Jean-Claude, que la police ici sur place n'avait pas fait des enquêtes. On ne sait pas comment était cette situation, pourquoi ils n'ont pas mené des enquêtes pour le musée qui a été incendié. Même lui-même, le président de ce musée, avait même déclaré pourquoi un grand problème qui se passe ici, là où la police se trouve, et surtout les districts de la police se trouvent ici, mais qui n'ont pas fait cette tâche de mener des enquêtes. Donc c'était là une chose inquiétante par lui-même le président de ce musée. Redox, justement au sujet de ces musées, y a-t-il espoir de relancer les activités? Justement, je vous dirais à présent, hier j'étais avec lui, le président de ce musée. Il a déjà, je peux dire, 50% des œuvres d'art dans sa maison. Sauf qu'il manque l'endroit de poser ses œuvres d'art. Mais pour le moment, il a déjà. Donc, il a mis tout ce qui est possible pour récupérer d'autres œuvres d'art. Sauf qu'il manque l'endroit de mettre ses œuvres d'art. Pour le moment, il utilise rien que sa maison, au salon où il a installé quelques œuvres d'art là. Comment les artistes de Gongo avaient accueilli cette nouvelle de l'incendie? Oui, les artistes étaient tous, je peux dire, inquiets, mécontents, et durant ces 4 mois,